Souvent, il peut vous arriver de vous sentir incompris, seul. Vous pouvez avoir une perte de morale. En fait, vous sentez même peut-être des injustices qu'on vous a faites comme des trahisons et vous avez le moral au plus bas. Les amis, pour remonter votre morale, aujourd'hui, il y a plusieurs techniques. Mais c'est vrai qu'il en existe une qui fait en sorte de rebooster votre morale. Donc, c'est Gloire Musenga, les amis. Je vais vous aider aujourd'hui à augmenter en fait vos stratégies pour augmenter votre morale dans les moments où vous avez le moral au plus bas. Donc, les amis, si vous voulez aussi prendre un moment avec moi en privé, vous pouvez ajouter WhatsApp au numéro 06 44 77 44 03. Donc, vous m'envoyez un message avec votre problème et en deux mots et on prend rendez-vous. Donc, vous pouvez accueillir vos émotions, d'accord? Vous pouvez accueillir les injustices que vous ressentez, les trahisons. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. C'est normal qu'à des moments, notre morale, il sera au plus bas. C'est pour ça qu'on a des pertes de morale. Il n'y a que les robots qui n'ont pas de perte de morale, comme les ordinateurs ou les ordis. Et les humains, on est comme ça, on a des émotions. On doit remonter la pente, en fait. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il faut s'accueillir le droit de dire, je vais pas bien. Aujourd'hui, je vais juste accueillir cette émotion. Et parce qu'à des moments, quand vous allez résister, en fait, à des choses, ne faites pas de lâcher prise, en fait. Ce à quoi, en fait, tu résistes, persiste, en fait. Et donc ça continue, il faut vraiment que tu lâches prise, d'accord? Donc parfois aussi, on pouvait aussi remonter la pente. Comment en fait? Tout simplement en vous disant que je ne vais pas rester dans le creux de la vague, je vais m'augmenter. Je vais m'augmenter chaque jour, d'accord? Le temps que je passe dans la zone d'inconfort, ben, va faire que en fait, je vais augmenter le fait que je vais passer au-dessus de cette baisse de morale en fait. D'accord? Donc, sortez de votre zone de confort et passez du temps dans la zone d'inconfort. Donc, maintenant, quand vous avez accueilli, vous pouvez vous dire aussi, je ne vais pas déprimer toute ma vie. Je vais switcher cette émotion. Parce que ça ne sert à rien de rester dedans, en fait, dans cette émotion. Donc, ce qui n'est pas normal, encore une fois, c'est de rester dans cette zone tout le temps où on est dans le confort parce que, en fait, ce n'est pas bénéfique pour vous. Ce n'est pas normal de rester dans cette zone. Donc, maintenant, posez-vous aussi la question, est-ce que vraiment tout va mal dans ma vie? Est-ce que tout va mal? Est-ce qu'il y a toute chose autour de moi va mal en fait? Posez-vous cette question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en fait qui va bien aussi? Où vous pouvez vous tourner vers, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Posez-vous cette question-là, énumérez-les en fait. Posez-vous avec une feuille, un stylo et énumérez tout ce qui va bien, d'accord? Et ça va vous remonter le moral. Posez-vous ce genre de questions en fait. Posez-vous la question. Ayez une discussion avec vous-même, c'est important en fait. Il n'y a pas que les fous qui parlent tout seuls. D'accord? On se parle en permanence, constamment. Tous les jours, on se parle, mais on ne s'écoute pas parfois. D'accord? Vous parlez, vous vous dites parfois, t'es pas assez bon, t'es pas assez forte, t'es nul, non, tu ne peux pas le faire parce que toi, t'es pas comme ça. Plein de choses qu'on se dit tous les jours. Donc, pourquoi ne pas prendre conscience, élever sa conscience et commencer à se parler de manière positive? D'accord? Donc, parlez-vous à vous-même, écrivez, même parlez-vous à voix haute. Vous allez voir, ça fait du bien. Allez en forêt, promenez-vous, parlez-vous à vous-même. Ça va faire du bien, retrouvez-vous avec vous-même. Peut-être que je vis, j'ai une maison, j'ai une voiture pour circuler. Je ne sais pas ce qui est, pour vous c'est important. J'ai un petit chat ou je sais rien. J'ai un copain, j'ai une copine ou j'ai une femme, j'ai un homme. Voilà. Donc concentrez-vous sur ce qui va bien et vous allez avoir le moral qui va monter. C'est important en fait. Maintenant aussi, j'ai parlé un petit peu avant d'aller en forêt. Faites des activités simples que vous aimez. C'est important ça en fait. Parfois, les activités simples, les simples activités, se promener dans un parc, ça va vous remonter le moral. Se remémorer des choses qu'on a vécues de bien, des voyages qu'on a eus, des endroits qu'on a pu fréquenter et qui étaient bien pour notre âme, notre moral, notre cœur. Et vous allez voir, en fait, ça va vous faire du bien. Ça va vous remonter le moral. D'accord? Parfois, c'est juste écouter de la musique. Allez danser si vous aimez danser, ou allez courir, ou danser tout seul. Vous prenez une musique et vous commencez à danser tout seul, ça vous fait du bien en fait, je vous assure. Donc faites des choses qui vous intéressent, des choses simples au quotidien et qui vont vous faire en sorte d'accueillir vos émotions en fait et de vous laisser aller. D'accord? Donc accueillez l'émotion tout le temps pour vous remonter les morales. Accueillez-vous que vous êtes un humain, vous n'êtes pas un robot. Vous ne pouvez pas être tout le temps hop, en top en morale. Einstein il dit: la vie, c'est comme la bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l'équilibre. Donc continuez d'avancer en permanence. Qu'est-ce qui va bien dans votre vie à part tout ça? Posez-vous ce genre de questions. Énumérez-les sur une feuille, un stylo, cahier. Moi, je dis souvent à mes coachés, prenez un cahier des rêves et vous écrivez votre cahier des rêves. Prenez un cahier où vous notez 5 choses qui vous font plaisir et qui vous rend heureux et heureuse tous les jours. C'est important en fait. Ensuite, en bonus, la visualisation. Visualisez les choses que vous voulez réaliser aussi et continuez. Ayez une motivation. Regardez la vidéo sur la motivation. Ça va vous aider aussi par rapport à la motivation si vous avez des pertes de motivation. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça par rapport à la motivation, mais ça fait partie aussi du moral. Plus on est motivé, plus notre moral il augmente. Ok? Allez, amis, c'était Gourmet Senga. À la prochaine. Bye bye.